chez moi, c'est bon. Vas-y, Tanja. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous. Je suis monsieur Kénéman de la commissaire de police, directeur central de la police judiciaire. Alors, monsieur le directeur, vous avez convié la presse aujourd'hui à nous. Tout ce qu'on peut savoir de quoi il effectivement, afin de vous médiatiser, deux personnes qui ont été condamnées hier à mon service par les amis de la CMIS. Destruction de vie à tout à l'ordre dans la journée du 28 février 2022. Alors, est-ce qu'on peut avoir les détails aussi de ces deux? Bon, pour ceux qui ont les détails, ils ont été entendus. Je ne vais pas rentrer dans les déclarations de l'administration de la CMIS. Ces personnes qui ont été condamnées dans les mêmes sommes, il y a la famille, et on a dit ça là-bas. Il y a la famille, je connais les faits, les coups de fait sur le volontaire, sur la personne de M. Samonda, la journée du 28 février 2022. Alors, en fait, ce qui fait la vedette aujourd'hui, pratiquement, on apprend que le présumé auteur de la destruction spectaculaire de la caméra de surveillance a été arrêté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, ils ont été conduits. Effectivement, ils sont les objets de destruction de biens publics. Qu'est-ce que je vous dis? Vous avez tous suivi les réseaux sociaux lors des manifestations du 28 février 2022. Beaucoup ont vu un jeune grimper le poteau, décrocher la caméra de surveillance et la faire tomber. Donc, c'est l'effet de destruction de l'homme. Ce qui est maintenant la reconnaissance de l'infraction ou des faits, ça, ça n'est pas. On ne connaît pas les faits, mais tout ce que les images sont là. Le candidat se fait aussi. Même, il reconnaît les faits. Samonka, c'est un citoyen, comme tout le monde, qui a été agressé lors des manifestations. Vous savez comment les manifestations se passent. Quand tu n'es pas à côté des manifestants, un simple passant facilement en cadence, tu ne vois que pour retirer des biens. C'est ce qu'a suivi de nommer Samonka en la victime. Il a été dépossédé de ses biens, à savoir son téléphone et le numéro. Ce cas précis, il reconnaît les faits. Mais cependant, il est là la destruction de biens publics, il oublie les faits. D'accord, c'est bon. Quel message avez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut savoir réellement ce qui les attend après cette procédure? Bon, à mon niveau, ma mission est simple. De les entendre, réunir les éléments de preuve et les présenter devant le parquet. Le reste, c'est un dernier message à l'endroit de tout ce que bon, vous je faites. Le pourrais vous dire. Bon, on va organiser un peu les questions. C'est un message plaît. À l'endroit de tout ce qui se livrerait à ce genre de pratique lors des manifestations. Bon, pour tous ceux qui se livraient à ce genre de pratique, ils seraient interpellés parce que les caméras de surveillance sont placées un peu partout dans les différents quartiers de l'Axe. Ils seraient interpellés pour avoir des images. Merci beaucoup. Merci. Ils ont été arrêtés sur l'axe. Ils ont été arrêtés sur l'axe par la CRS. Ils ont été conduits dans les locaux de la direction centrale de la police. C'est bon, directeur. C'est bon. La caméra, on vient de la barre. Merci, monsieur. Merci, madame. Merci.